bosser sur la master. C'est ce que j'enseigne tous les jours, mais moi-même, je suis preneur. Bosse pas sur la master. On a dit aux gens, dimanche, il n'y aura pas le service. Voilà. Et tout le monde en demandait pas leur avis. Donc, globalement, on a dit dimanche, personne sur la plateforme. On envoie un mail à tout le monde. Donc, c'est beaucoup plus facile à gérer. Parce que quand je suis allé chez un client, j'ai vu que j'étais le seul à Paris. Mais oui. Tout le monde, en fait, est en Irlande. Mais oui, mais migrer, c'était trop tard. Le code était fait. Je voulais tout le monde. Donc, en ce qui concerne Ventromise, alors. À la base, vu que je suis administrateur système et réseau, quand j'ai décidé de mettre en place l'infrastructure qui devait accueillir les applications de Easy Training, je me suis dit je vais faire un lab. J'avais en fait loué des locaux et j'avais mis des serveurs sur lesquels j'avais installé des ESX. Donc bien évidemment, c'était comme un lab pour moi, je m'amusais. Et avec le temps, et notamment avec le Covid, on a eu plusieurs personnes qui ont décidé en fait de se lancer dans la formation en ligne, donc de pouvoir consommer en réalité nos contenus. Donc du jour au lendemain, en réalité, on est passé de 4 apprenants à plus de 100 dans les formations, dans les sessions. Donc là, effectivement, on est passé à une toute autre échelle et nos serveurs n'arrivaient plus à pouvoir suivre les règles. Donc, la première problématique qu'on a rencontrée et qui nous a amené à penser effectivement à cette migration vers le cloud là, c'était effectivement le problème de scalabilité. Donc, si du jour au lendemain, vous passez de 4 users pour un formateur à presque 100 dans les sessions de formation, mais du coup, ça devient compliqué. Alors, l'un des avantages qu'on avait en étant une petite start-up, c'est qu'on avait déjà pas mal d'outils DevOps qu'on utilisait, donc on avait pas mal de stacks, mais ça représentait également une grosse difficulté parce qu'il y avait plein d'outils. Donc, il y en a qui aimaient, je ne sais pas moi, Jenkins, moi je préférais GitLab. Donc, ça créait en fait un environnement assez hétérogène qui faisait en sorte qu'on avait du mal à pouvoir avoir une cohésion entre les équipes de dev et les équipes ops. Donc, la pléthore d'outils rendait la maintenabilité de l'infrastructure assez compliquée. Et là, on était toujours en on-premise, donc dans une salle qu'on avait nous avec des serveurs. Donc, la deuxième difficulté, c'était le nombre d'outils qu'on avait et qui commençait vraiment à grandir. Ensuite, on avait une problématique de pouvoir couvrir, on va dire, pas mal de pays, en fait, et pas mal de continents dans le monde. Donc ça, c'est une carte, en fait, qu'on a réalisée avec le nombre d'apprenants qu'on a pu former en 2021, donc environ 3000. Et du coup, on se rend compte effectivement qu'il y a des continents où on a beaucoup plus d'étudiants par rapport à d'autres, mais le but également c'était de pouvoir fluidifier, vu que c'est de la visioconférence et souvent c'est du streaming de vidéos parce que sur les sites on peut consulter des vidéos, mais du coup il y avait également cette problématique là, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir rendre le service de qualité dans des pays qui souvent ont des difficultés de qualité de connexion. Donc on avait cette problématique là. Du coup, ça rentre dans le spectre global de la problématique de scalabilité quand les jeunes entreprises étaient soit on scale, soit on meurt. Voilà. Donc il y a effectivement ce problème de pouvoir livrer l'application peut-être partout. Et ensuite la sécurité. J'avais les concepts, parce que vu que c'est moi qui gérais la partie IT, j'avais les concepts de base en sécurité. Donc voilà, je me débrouillais pas mal. Mais sauf qu'à un moment donné, on se rend compte qu'il y a des... Il y a des règles à vérifier, il y a des règles notamment liées à tout ce qui est gestion des données. Bref, il y a tout un aspect sécurité qu'il fallait gérer. On a même été victime d'attaques de type DDoS. Moi, je sais ce que c'est parce que j'ai lu les livres, mais je n'ai jamais vécu ça. Donc, ce qui fait que quand on m'appelle, on me dit le serveur est tombé, je ne comprends pas pourquoi. Et je regarde les logs, je me rends compte qu'il y a une attaque DDoS. Comment est-ce qu'on fait pour répondre à une attaque DDoS? Donc, potentiellement, il fallait que je prenne quelqu'un qui sache le faire. Et je n'avais pas forcément les moyens. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi un aspect sécurité qui était extrêmement important et que nous, on n'avait pas la compétence en interne. Donc, c'est le quatrième point qui nous a amené à réfléchir et à voir comment est-ce qu'on pouvait utiliser du coup les services managés où on avait déjà des personnes qui pouvaient effectivement gérer ça pour nous. Et surtout que ça me prenait beaucoup de temps de gérer la partie IT. Donc, moi, j'aime bien la formation, c'est ça mon métier. Donc, je voulais plus me concentrer sur le business et un peu moins à gérer cette infrastructure-là. C'est vrai que c'est bien dans la formation de parler de ce qu'on fait tous les jours, mais si on n'a pas le temps d'en parler, du coup, ça n'a plus d'intérêt. Donc, ensuite, il y a également la partie post-optimisation parce que, à un moment donné, on s'est rendu compte que la partie IT commençait vraiment à prendre une grande partie du chiffre d'affaires. Et on s'est dit, il va falloir qu'on essaie d'optimiser cela. On avait pas mal de freelance qu'on avait pris et qui nous aidaient effectivement à travailler sur une infrastructure, mais on s'est dit, il faudrait voir comment améliorer drastiquement nos workflows, notre infrastructure, afin d'optimiser les coûts globalement. Et c'est pour ça, effectivement, que le cloud a été une très bonne solution pour nous afin de pouvoir gérer cette scalabilité qu'on avait. Donc,
Quelles sont les applications qu'on avait donc à migrer? Ça me permet de planter le décor et de voir un peu quel est le contexte. Je vais parler des quatre grandes applications qu'on avait à migrer progressivement. On avait l'application de webinar, je pense que ça parlera à beaucoup de gens, notamment Big Bottom, qui a eu beaucoup de succès pendant le confinement. Plein d'universités ont mis ça en place. Donc, nous, on a également fait un effort et on y apporte assez régulièrement des modifications, des améliorations, etc. Donc, on devait migrer cette application-là avec, bien sûr, la base de données qui était utilisée, etc. L'avantage, effectivement, c'est qu'on avait déjà des conteneurs et qu'on utilisait Kubernetes. Donc, pas mal de choses étaient facilitées. Du coup, on a effectivement cette partie, l'application du webinar-là. Ensuite, on a l'application liée à l'e-learning. Donc, on a effectivement pas mal d'écoles où il y a des gens qui se forment directement via ces vidéos-là. Donc, il y a également cette application-là qu'il fallait complètement migrer. Sachant que l'une des problématiques qu'on avait, c'était de pouvoir livrer ces vidéos-là grâce notamment à des CDN dans des pays, effectivement, où ils n'avaient pas une très bonne connexion Internet. Donc là, il fallait vraiment trouver une solution par rapport à ça. Ensuite, alors bien sûr, ce n'est pas de publicité, même si ça en est un peu, on a l'environnement de Labs. Alors, généralement, quand on anime en fait des formations, on aime bien que les apprenants en fait, travaillent sur des environnements déjà pré-provisionnés et qu'ils fassent de l'Ansible, du Jenkins, du GitLab. Je pense que ça vous rappellera effectivement plus du Docker. Donc, on a fait un fork, on l'a modifié pour pouvoir ajouter de nouveaux environnements. Ça veut dire que c'est également une plateforme as a service qu'on proposait. Et donc, on avait du coup cette gestion à faire en fait en local. Donc, il fallait aussi migrer cette application de gestion de lab. Et enfin, pour la réalisation des TP, chaque formateur, en fait, lorsqu'il allait par exemple sur le site de client, il fallait du coup qu'il puisse partager en fait son code. Donc, par exemple, quand il écrit des manifestes, etc., ben, du coup, il faudrait que les étudiants puissent y accéder. Et si vous regardez bien l'URL, bon, c'est l'un de mes formateurs, Ulrich, voilà, donc c'est lui qui m'a fait cette capture-là. Donc, du coup, chaque formateur avait effectivement cette possibilité de proposer en fait un certain partage de code. Donc c'est globalement les quatre principales applications qu'on avait l'habitude d'utiliser. Et les outils pour les exploiter, on avait du GitLab pour la gestion du code, on avait du Jenkins, on avait également donc Kubernetes déjà, parce qu'on a l'avantage effectivement d'être parti directement sur les technologies que l'on jugeait d'avenir et qui nous permettaient de scaler facilement. Mais il fallait passer effectivement à un autre niveau. Alors, au niveau donc des pipelines que nous avons décidé de mettre en place, parce que lorsqu'on a rassemblé les différentes problématiques qu'on avait, que ce soit la sécurité, que ce soit la gestion des outils, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas trouver un endroit où on aurait en fait tous ces tools-là qui nous sont proposés, et donc avoir une seule plateforme où tout le monde pourrait travailler, que ce soit pour l'intégration, que ce soit pour la partie donc pipeline, que ce soit pour la gestion des certificats, etc. On s'est donc tourné vers AWS comme solution pour pouvoir nous aider dans cette scalabilité-là. Donc, nous, on a décidé d'utiliser le socle EKS parce qu'on avait déjà du Kubernetes en on-premise. Et forcément, on avait déjà tout ce qui est Dockerfile et manifeste YAML qui nous permettait de facilement réaliser notre migration. Donc, on est parti sur de l'EKS managé parce qu'on voulait vraiment se libérer du temps et ne plus avoir à gérer nous-mêmes le nœud master, les migrations, les upgrades et tout ce qui va bien. Donc, ensuite, pour la partie réseau, globalement, on avait une certaine haute disponibilité au niveau des nœuds qu'on a mis en place. Donc, on essayait de mettre effectivement les nœuds dans différentes zones de disponibilité. Donc, on avait les VPC architecturés de cette façon-là. Et ensuite, on a décidé de définir en fait un modèle de déploiement général pour chaque application. Ça veut dire que pour chaque application, on a en fait un repo qu'on considère comme le repo API et on a un repo que l'on considère comme un repo de déploiement. Le repo applicatif, globalement, est celui qui va contenir le code applicatif et également le Dockerfile pour pouvoir builder effectivement l'application, ce qui ne se prend personne. Et on a également le fichier de pipeline qui est le build spec qui est utilisé notamment sur AWS. Alors, la particularité ici, c'est qu'on a un fichier qui est customization.yaml qui est un petit utilitaire sur Kubernetes qui permet de variabiliser les fichiers. Pourquoi est-ce que pour nous c'était intéressant? On a voulu faire en sorte qu'il y ait une certaine communication entre les équipes dev et les équipes ops. Ça veut dire que lorsque les devs, par exemple, terminent de produire une release, ils peuvent directement modifier le fichier customize.yaml que je vous montrais tout à l'heure, ou ils vont simplement dire, on passe en V2. Et automatiquement, dans le code en fait, de déploiement, où il y a également une CI qui est mise en place pour tester le code de déploiement, ben, du coup, ce sera directement pris en compte. Ça veut dire que le repo en fait, de déploiement est plus ou moins statique.
et variabiliser pour qu'effectivement les éléments de contexte soient fournis par le customization.yaml. Donc à chaque fois que ça évolue, mais du coup ils font simplement évoluer ces fichiers-là. Et au niveau des déploiements, mais du coup c'est fait un peu de façon automatique, vu que j'utilise en fait l'outillage lié à Customize. Donc c'est structuré dans chaque projet, chaque application a ces deux repos-là, avec une partie CI pour l'application, une partie CI également pour le déploiement. Donc tout ce qui est test de code statique, etc. Alors, pour mettre donc en place les pipelines, on a discuté bien sûr avec les équipes, on n'est pas très nombreux, on est une dizaine. Donc on a essayé de réfléchir, on a dit effectivement, on va essayer de faire un compromis. Si on va vers le cloud, est-ce qu'on peut, on va dire, essayer d'implémenter tous les workflows que l'on avait en entremise, c'est-à-dire ce que nous permettait de faire GitLab, ce que nous permettait de faire Jenkins, etc. Donc comment est-ce qu'on sera capable de mettre ça en place? Et l'avantage effectivement, c'était qu'avec AWS, on avait la possibilité d'avoir donc l'ensemble de notre chaîne en fait qui était complètement représentée. Et bien évidemment avec les autres services managés dont je parlerai tout à l'heure. Donc pour nous, c'était le moyen de migrer vraiment tous les outils pour qu'au final, toute l'équipe se recentre sur un même outil, sur une même plateforme. Et l'avantage dans ce cas-là, c'est que la gestion par exemple des logs, du coup on sait où on peut les voir, on peut tout tracer. Par exemple, s'il y a un problème de déploiement en on-premise, on devait regarder quel est l'outil qui a permis de faire le déploiement de l'application. Alors qu'effectivement avec ça, on peut directement aller, donc que ce soit les devs, que ce soit les ops, aller au même endroit et retrouver globalement les informations, les logs, les erreurs, ainsi de suite. On n'a plus besoin d'aller sur une interface, sur GitLab ou sur Jenkins pour pouvoir trouver les informations. Donc tout était intégré et du coup ça nous a paru effectivement être une bonne solution. Alors, on a donc réalisé pour nos différentes applications des pipelines qui sont assez standards en fait. Avec, c'est vrai que je n'ai pas la possibilité d'avoir le truc du Jedi là, mais c'est pas grave. Donc on a effectivement nos deux sources ici, donc le code applicatif et le code d'infrastructure. On a la partie build qui permet de produire les différentes images, de les scanner, de les tester, de les déposer sur ECR, donc le service de registre. On a vraiment pris la totale chez AWS. Et ensuite, au niveau du code source, on a également fait toute la partie test du code YAML, simulation de déploiement, et également dans la partie build, en fait, on dépose le code en fait sur un S3. Ça c'est aussi une particularité de code deploy. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il fonctionne comme ça, peut-être que nos amis d'AWS nous expliqueront par la suite. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un peu beaucoup d'étapes pour faire en réalité quelque chose qu'on fait simplement avec du GitLab, CI. Voilà, donc c'est juste une petite remarque. Donc globalement il fallait qu'on dépose ce code là sur un S3 pour qu'on puisse le récupérer ensuite dans code deploy. Et du coup, on avait un serveur Bastion. Donc, on a effectivement un serveur Bastion qui permettait de déployer dans différents environnements en fonction des variables qui sont dans le code customize.yaml. Donc, c'est vraiment un fichier qui est très important pour nous. Ensuite, pour la gestion du DNS, je vous ai dit, on a vraiment fait la totale. La gestion des certificats, bien évidemment. On s'est dit, est-ce qu'il serait possible directement via notre KS, un, de gérer les entrées DNS? Parce que si on a une nouvelle application, ben, ce serait très intéressant pour notre cluster de KS puisse être capable de créer en fait l'entrée DNS et demander le certificat. Et donc, vu que tout est intégré sur AWS, grâce notamment à leur ingress controller qui est plutôt pas mal, bah, du coup, dans ce cas-là, on a donc utilisé cela et il faisait vraiment tout. Je trouve ça quand même assez impressionnant, je dois le dire. Et là, à chaque fois en fait, quand on change par exemple l'URL, automatiquement, il va écrire l'entrée DNS, il demande le certificat. En tout cas, il prend le certificat qui est disponible et il le met en fait au niveau du load balancer. Donc, c'était vraiment une intégration assez simple. C'est vrai que la mise en place de l'ingress controller n'est pas facile, il y a des plugins qu'il faut installer, notamment external DNS. Mais quand c'est mis en place, au final, vous verrez les résultats qu'on a eu par la suite en termes de fluidification, de déploiement, etc. Donc ça c'est bon. Ça c'est pour la partie DNS et certificate management. Voilà, donc tout était intégré et j'ai profité pour faire un petit enregistrement pour être sûr que je n'aurais pas dit fait des mots. Ah, je connais. On est tous passés par là pour voir le sourire de tout le monde. Voilà. Et donc là, je vais montrer en fait les différents éléments de l'infrastructure. On a les deux repositories dont j'ai parlé. Le repository lié effectivement à l'application. Donc là, on a le code applicatif. Voilà, j'ai pris là une application exemple. Vous savez, dans les conférences, on ne demande jamais l'application de prod parce qu'elle ne marche pas très bien. Donc ensuite, dans les Dockerfile, du coup, voilà, je montre effectivement le Dockerfile qui est à l'intérieur. Très bien. Ensuite, au niveau du build spec, donc toute la procédure en fait qui nous permet de builder notre image, et avec la particularité que l'image n'est poussée que si c'est un tag qui est supérieur au précédent, parce que ça c'est important. Souvent en prod, on passe le temps à pousser la V1, on se pose la question, mais c'est quoi la V1 au final?
Donc, à l'intérieur, en fait, j'empêche les gens de pousser une personne qui est inférieure à celle qu'on avait déjà. Pour être sûr qu'effectivement, si on décide de produire l'image, il faudrait vraiment qu'elle apporte de la valeur, donc que le tag soit supérieur à celui qui n'était pas là. Donc, on pousse effectivement cela. Et ensuite, au niveau du customize, j'ai mis quelques variables à l'intérieur. Donc, je précise en fait quel sera le nouveau tag, l'endroit où on doit envoyer l'image et le namespace où on doit faire le déploiement. Ça veut dire qu'on rend effectivement les développeurs aussi acteurs du processus de déploiement. Parce que c'est ce que je voulais aussi faire en même temps. Vu qu'on travaille en mode de DevOps, c'est important que les développeurs se rendent compte que ce qu'ils font a également de l'impact sur le travail des autres. Donc, ça, c'est pour le repo applicatif. Maintenant, pour le repo de déploiement, on a les manifestes donc YAML, donc là le deployment, l'ingress, le service qui permet de déployer l'application sur Kubernetes. Ensuite, on a le build spec qui permet effectivement de, on va dire, tester le code Kubernetes, donc à l'aide du kubescore, et ensuite d'envoyer notre code deployment au niveau d'un S3 qui sera ensuite récupéré dans le code deploy. Voilà, donc on utilise effectivement cette commande AWS deployer pour pouvoir déposer notre flow de déploiement sur notre S3. Donc voilà les deux principaux repos que nous avons. Et je crois que j'avais oublié quelque chose. Il y a Appsec. Parce que lorsqu'on va lancer le déploiement, il faudra préciser en fait quels sont les scripts qu'on peut mettre de réaliser l'application, de déployer l'application et de valider que l'application a bien été déployée. Donc là, on a les différents scripts qui ont été mis en place. Donc pour le déploiement, voilà, on fait quelque chose de très très simple. Sachant que c'est à ce moment-là qu'on récupère le customize.yaml des développeurs. Et on le copie du coup sur la machine et il permet donc de surcharger les variables de déploiement. Donc, voilà les différents scripts de déploiement qui sont dans l'infrastructure, donc le repo lié au déploiement. Ça, c'est pour la validation. Donc forcément, on fait un curl parce que c'est des démos, on veut que ça marche. Donc on fait un simple curl. Voilà. Et donc, je pense que c'est tout pour la partie repository. Voilà. Donc c'est nos deux principaux repos. Ensuite, qu'est-ce que j'ai proposé? Donc, le pipeline, voilà. Donc, au niveau du pipeline, c'est ce qu'on a vu en fait dans l'image. Hein. Je n'ai pas pris l'image loin, donc c'est exactement celle-ci. Avec effectivement nos deux codes, donc le code applicatif et le code de déploiement. Parce que notre but, c'était vraiment d'essayer de faire la même chose qu'on réalisait déjà dans le train. C'était vraiment très important pour nous d'avoir tout sur une même plateforme. Mais je vous assure, ce n'est pas aussi simple de mettre en place, en tout cas aussi facilement qu'on le fait avec un GitLab CI.yaml. On met point interim ici. C'est pas facile. Donc, là, on a la partie effectivement déploiement, etc. Je pense que c'est ce que j'avais déjà dit. Bon, là, on voit les derniers commits que j'avais fait. Donc, là, on a les deux nœuds, parce que pour la démo, du coup, j'ai déployé deux nœuds. Et ensuite, j'avais déjà quelques codes. Donc, là, il y avait le external DNS qui permet de créer les entrées sur le route 53 automatiquement, en fonction de la règle que je mets dans l'ingress, rule. Voilà. Donc, j'ai mon, là, je montre en fait que je n'avais pas mes codes applicatifs pour montrer effectivement que c'est à ce moment-là qu'on déploie effectivement notre application. Voilà. Donc là, on a le endpoint. Donc globalement, on a notre cluster EKS. Ensuite, on a ECR, donc on l'utilise pour déposer nos différentes images. Docker, donc on a la 1.0 qu'on va utiliser. Alpine Hello World. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que je montre? Donc là, je montre également les instances. Donc, je vous ai dit, en fait, on a une instance qu'on appelle Bastion qui est EKS Deploy. Ça veut dire globalement que toute action qui est faite sur le cluster passe en fait par cette machine-là. Donc, des personnes ne peuvent pas directement travailler sur le cluster EKS depuis leur machine. C'est un choix qu'on a fait. Parce que c'est sur cette machine-là qu'on a mis en place tous les outils, les certificats qui vont bien. Donc, systématiquement, la machine de déploiement, c'est EKS Deploy. Et les personnes qui veulent travailler dessus doivent aller sur cette machine Bastion. Ça nous permet aussi de filtrer les accès au cluster. Donc voilà, ensuite on a la partie route 53 avec le domaine. Donc, c'est le domaine devops.initraining.fr qu'on a délégué du coup à route 53 parce que j'avais déjà mon domaine initraining qui est sur GoDaddy. Donc c'est DevOps et c'est donc avec ce domaine-là que notre external DNS va jouer avec route 53 pour créer les entrées de façon automatique. On a également le certificat, donc là j'ai pris un wildcard. L'avantage du load balancer de EKS, c'est vraiment formidable, c'est que lorsque vous précisez en fait dans votre manifeste que votre nom de domaine c'est par exemple, je ne sais pas moi, toto.fr, ben du coup il va dans Certificate Manager, il regarde s'il y a un certificat qui a ce nom de domaine-là et c'est lui qui le prend pour attacher en fait à l'ULB. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Et du coup, quand moi j'ai mis un wildcard, ben du coup il regarde si ça correspond au nom de domaine que j'ai mis dans mon ingress au rule et du coup il associe directement à l'ULB. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Donc là, je vais faire une modification parce que je n'avais pas intégré l'ingress à l'intérieur donc déploiement de l'ingress. Voilà, je pousse mon code.
Donc là, je fais une modification juste pour entraîner l'exécution du pipeline. Ensuite, donc au niveau du pipeline, forcément, il s'est lancé. Donc au travers effectivement de ça, on avait vraiment l'avantage, comme je disais, d'avoir une même plateforme où on a l'ensemble des logs. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Ça veut dire que nous, les ops, on avait la possibilité de regarder par exemple les logs des devs, ils ont des soucis parce que souvent ils ont des problèmes en fait d'infrastructure. Et du coup, nous on pouvait facilement intervenir dessus et ne pas dire ça c'est des outils liés aux devs, liés aux ops, on ne regarde pas. Donc là, on travaille vraiment ensemble. Et c'est aussi l'avantage d'être une petite structure parce que je pense que les grandes entreprises c'est beaucoup plus compliqué, que ce soit politique, que ce soit les silos. Voilà. Nous en étant une start-up, on est beaucoup plus agile donc forcément on essaie d'avoir des outils qui nous réunissent beaucoup plus facilement. Et donc, voilà, ensuite, j'ai mis en place en fait une cache pour déposer les fichiers customization.yaml qui sera récupéré ensuite dans la partie ops pour le déploiement. Voilà. Donc là, on a le build qui s'est bien passé. Très bien. Voilà, c'est bon. Et ensuite, la partie déploiement. Donc là, c'est bien la CI du déploiement. Parce qu'il faut bien effectivement vérifier le code de Kubernetes, que c'est bien écrit, que ça respecte les normes, les bonnes pratiques, etc. Donc c'est pour ça qu'on teste tout cela. Et on envoie ce code-là du coup sur S3 pour que Code Deploy le récupère ensuite pour faire la partie tant attendue qui est le déploiement. Voilà, donc au niveau du déploiement, on a le déploiement qui s'est réalisé. Sachant que je vous ai dit le déploiement n'est pas directement fait sur l'EKS, ça passe toujours par le serveur Bastion. C'est le Bastion qui récupère l'ensemble des manifestes et c'est lui qui lance l'exécution. Voilà, l'installation, etc. Ça veut dire aussi que c'est un serveur très sensible. Hein. C'est important de le relever donc, dans notre mécanique de déploiement. Donc voilà, il a réalisé le déploiement. Ensuite, je peux aller sur l'URL de l'application et maintenant ça marche. Voilà, ce qui était prévu. Et du coup, si je vais à nouveau au niveau des workloads, j'ai bien mon application en fait qui est Alpine qui a été déployée de façon automatique en V1. Voilà. Et bien sûr, le meilleur arrive pour la fin. Et donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est tenter de faire en fait une V2, comme nous avons l'habitude de faire en réalité. Donc, on modifie l'application. Bon, les applications sont beaucoup moins faciles que ça. Mais bon, moi, je ne suis pas dev, donc j'aime bien quand ça se passe comme ça. Donc, from Lyon, voilà, donc je mets juste un petit message. Effectivement, c'est ce geste-là, en fait, qu'on veut créer au niveau des développeurs. Si l'application évolue, il faut effectivement tracer cette évolution de l'application-là. Donc, on leur demande systématiquement de mettre le tag. Et s'ils ne font pas évoluer le tag, l'image n'est pas poussée. Parce que dans la partie pipeline, on regarde en fait si le tag a évolué ou pas. Toute modification doit donner lieu absolument à un tag qui est beaucoup plus important. Peut-être pas en V2, mais peut-être en 1.0.1 si c'est effectivement un fixe ou 1.1 si c'est une feature, forcément. Donc là, j'ai mis 2.0 juste pour faire style. Donc là, j'ai repoussé à nouveau mon code. Donc là, le pipeline, il va s'exécuter. Je pense que là, effectivement, j'ai dû couper et arriver directement à la fin pour montrer l'image en V2 et ne pas montrer les péripéties. Donc si j'actualise, voilà, on a bien la V2 qui est là. Ensuite, si je vais dans la partie tac, donc DCR, j'ai bien la V2 qui a été déposée ici. Voilà, pour l'autre, vous pouvez fermer les yeux. C'est les péripéties. Donc l'application effectivement a été déployée là en V2, si je regarde au niveau des déploiements, donc on a bien le déploiement qui est là. Et si je regarde en fait l'image qu'utilise le pod, on verra bien effectivement que c'est l'image de V2 qui a été déployée. Donc là, les ops en fait n'ont rien eu à faire. Les développeurs ont été effectivement suffisamment autonomes et matures pour dire « Je voudrais que ce soit maintenant ma V2 qui soit utilisée, donc je le précise dans mon fichier et automatiquement dans le déploiement, ce sera intégré. » Donc là, je suis allé sur le nœud et faire un QCTI Describe, voilà, pour voir en fait l'image qui a été prise. On voit bien que c'est l'image taguée en V2. L'avantage aussi de Code Deploy, c'est qu'il a des stratégies pour pouvoir faire des rollbacks automatiquement. Bien sûr, ça dépend de comment est-ce que vous faites vos déploiements, mais il marche assez bien. Bien évidemment, merci, ça c'est pour la démo. Voilà. Donc si on parle de quelques résultats en réalité après ce déploiement-là, donc au niveau de l'expérience utilisateur, quand on est passé bien sûr sur AWS, mais du coup au niveau de la satisfaction, c'était effectivement 87%. Par le passé, on était à 60%. Parce que notamment, on a pu utiliser tout ce qui était CDN pour pouvoir rapprocher le service de nos différents utilisateurs. Nous, on parle bien sûr à petite échelle. Je pense que vous travaillez dans une entreprise beaucoup plus importante que nous. Ensuite, au niveau du downtime percentage, donc on est passé de 5% d'indisponibilité à 1%, forcément. Je pense que j'ai mis les 1% juste pour la forme. Bon, je pense que ce n'est jamais tombé, sauf si c'est à cause de nous, bien sûr.
ou d'un mauvais déploiement. Donc ensuite, pour le déploiement des nouvelles fonctionnalités, on est passé donc de 10 heures. Donc, dans les 10 heures, en fait, je mets la partie debug, du fait que ça ne marche pas, troubleshooting, etc. Et on est passé maintenant à 2 heures parce qu'on a évité, quand il déploie, en fait, nous-mêmes, on a la visibilité dessus, les devs également la visibilité dessus. Donc tout le monde, plus ou moins, est mis en fait à la même table et on regarde ce qui se passe. Et au niveau des coûts, donc le CEO est là, donc il était content qu'on passe effectivement de 25% dans le budget à 8,9% au niveau du budget. Il est assez content des économies. Donc au niveau effectivement des annonces, donc pour ceux qui sont peut-être à Paris et qui veulent découvrir le DevOps, on a une conférence qu'on organise le 25 juin à Paris pour ceux qui veulent découvrir le DevOps et aussi ceux lancement en fait en scale-up. C'est une conférence qu'on organise voilà, du côté de Paris. Ok, Paul, j'ai une question. Ton bastion, en fait, dit qu'il se fait faire des pains, en fait, il fait juste appeler CodeDeploy. Non, alors oui, il appelle effectivement CodeDeploy. Okay. C'est dessus qu'on a installé l'agent CodeDeploy, c'est ça. Okay. Et du coup, c'est lui qui va faire. Yes. Oui. Comment vous avez géré la transition de l'ancienne plateforme à la nouvelle? Alors, bonne question. Déjà, ça dépend du type d'application, parce qu'il y a certaines applications qui sont du coup stateless, donc, comme par exemple les labs, etc. Maintenant, pour les applications stateful, étant donné qu'on est une petite entreprise, on a dit aux gens, dimanche, il n'y aura pas le service. Voilà. Et tout le monde en demandait pas leur avis. Donc, globalement, on a dit dimanche, personne sur la plateforme, on envoie un mail à tout le monde. Donc, c'est beaucoup plus facile à gérer. Et du coup, on a migré l'application. C'est vrai qu'on avait déjà fait quelques tests en amont. Et du coup, on a simplement migré la PDD. Et on a croisé les doigts. Parce que si je dis qu'on a eu une bonne stratégie de rollback, c'est que je mens. On croisait les doigts pour que ça passe. Et c'est passé. Voilà. Parce que si on disait qu'il faut restaurer en on-prem, ça, je pense que personne n'aime ça. Voilà. Oui. Pour la CI/CD, pourquoi vous n'êtes pas resté sur GitLab, par exemple passé sur Bonne question. J'allais m'oublier de parler de ça. Alors. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas resté sur GitLab? GitLab, pour moi, effectivement, c'est un magnifique outil. Mais sauf qu'on a voulu, en fait, profiter de l'intégration qu'il y a avec les différents services AWS. C'est vraiment ça, en fait, c'était vraiment ça notre challenge. Mais sinon, GitLab pouvait répondre à un certain besoin. Mais l'interopérabilité qu'on a avec les outils du CI sur AWS, en fait, est difficilement gérable avec d'autres outils. Par exemple, sur AWS, il est capable de savoir s'il a pu déployer ou pas. Et s'il n'a pas pu déployer, du coup, lui, il fait le rollback. Alors que si vous faites avec du GitLab, peut-être qu'il faudra mettre en place des scripts qui vont tester et déclencher le rollback. Donc il y a vraiment pas mal de mécanismes et c'est cette interopérabilité-là que je trouve très intéressante. Mais si c'était à refaire, on réfléchirait. On réfléchirait parce que c'est pas évident. Quand c'est mis en place, c'est bon, c'est vraiment excellent. Mais sauf que quand on a dit aux autres, effectivement, on va migrer et si on dit après que c'est trop compliqué, voilà. Mais sinon, quand tout est intégré, ça marche, en tout cas, comme on voit dans les démos. Hein. Mais sinon, la mise en place n'est pas évidente. Si c'est que je n'avais pas fait de l'AWS par le passé, je ne suis pas sûr que je me serais lancé. Les développeurs n'exagèrent pas finalement le repo GitLab versus le code commit. C'est quoi leur retour? Alors, leur retour est assez négatif. Code commit, il y a des choses que je ne comprends pas comment c'est pas possible. C'est-à-dire, on met à jour du code en fait sur le code commit et CodeBuild ne se lance pas. Et c'est bizarre. Pourtant, il y a effectivement les fichiers de pipeline qui va bien. Et quand je regarde sur Internet, on me dit il faut mettre du CloudWatch, du SNS, etc. pour que dès qu'on push en fait un fichier qui est tout cet élément-là qui se déclenche, je dis mais c'est pas possible. Quelque chose qui est naturel avec du GitLab, pourquoi est-ce que donc le retour des devs n'étaient pas très contents. Dès qu'on leur a dit, vous pourrez faire un peu de prod, ils ont dit ok, on y va. Donc, parce que des fois on les fait chier, on dit bon allez, la mise en prod c'est dans 2 semaines, donc maintenant comme ils avaient la possibilité d'être un peu autonomes, ils ont apprécié, mais sinon, en termes d'expérience, c'est ça que je peux répéter, la gestion des tags, il y a pas mal de choses que, effectivement, je ne peux pas faire une juste pas pour critiquer, mais pour dire, effectivement, qu'il y a pas mal, effectivement, de limites. Tout ce qu'on voulait faire, on se rendait compte qu'il fallait qu'on regarde, en fait, un document spécifique qui explique que soit ce n'est pas possible, soit il faut mettre en place une stack en plus pour faire le travail. Donc, c'est besoin d'une stack à refaire, ce serait effectivement à réfléchir. Oui. Une question, tu parlais de scalabilité. Du coup, une fois que votre plateforme a été en place, est-ce que tu as eu des moments où ta plateforme s'est mise à scaler énormément? C'était quoi, x2, x3, x10, comme tu disais, avec beaucoup de choses? Tout à fait. Le maximum qu'on ait eu, donc notre infrastructure de base, en fait, c'était au niveau du nombre de nodes environ 10. Pendant les pics de formation, donc, notamment en journée, on est souvent passé à x3 maximum. Donc, en utilisant notamment les composants d'autoscaling et tout, donc ça va ensuite, ça revient. Donc, oui, on a pu gérer en fait cette partie-là.
Et ça nous a bien fait plaisir, en fait, parce que les gens nous appelaient plus pour dire c'est tombé, etc. Donc, on a eu à gérer certains leaks. Et surtout, c'est beaucoup plus facile de se concentrer sur le métier. Parce que c'est aussi ça le vrai gain pour moi, c'est que ça m'a libéré énormément de temps pour pouvoir continuer à animer les formations tranquillement. Et est-ce que tu anticipes, parce que j'imagine une formation, tu connais à l'avance le nombre de personnes qui vont venir. Donc, une classe, demain, j'ai une formation avec 200 personnes. Ouais. Est-ce que tu pré-provisionnais des choses ou tu laissais le cluster se gérer tout seul? Je sais le cluster. On sait si les étudiants râlent, on va leur dire que c'est pas facile. Voilà. Ça, c'est... Comment avez-vous géré la montée en compétences des équipes sur le MES? Est-ce qu'ils connaissaient déjà ou... Alors, ils ne s'y connaissaient pas. Et c'est ça la particularité, du coup, c'est que nous-mêmes, nous sommes formateurs. Donc, généralement, en fait, quand il faut présenter en fait un sujet, du coup, je les forme en fait dessus. Et vu que j'ai, que ce soit les routeurs ou les plateformes, etc., donc je les forme sur le tas et du coup, ils montrent en fait en compétences. Donc, ils ne vont pas se former tous en regardant des vidéos sur Internet, que c'est moi-même qui suis du coup formateur AWS qui les forme. Donc, forcément, ils montent en compétences. Tu parlais de zone géographique à un moment. Du coup, comment ça s'est passé? Donc, tu parlais de CDN pour la partie cache ou accéléré. Du coup, tu es resté sur un cluster en Irlande ou en France, j'ai pas eu le temps de voir. On est à Paris. À Paris, c'est pays cher. En fait, en mettant des CDN pour les vidéos, parce que c'est essentiellement les vidéos en fait, qui posaient les problèmes aux apprenants. Donc, on a mis en fait en place des CDN qui proxifiaient les vidéos que les apprenants utilisaient. Donc, au niveau des URL qui, par le passé, pointaient en fait sur le file system des serveurs, mais du coup, on pointait sur les URL en fait des CDN en question. Et du coup, en fonction de la région, ils choisissaient la bonne vidéo. Ça, c'est pas un service intégré à Amazon, C'est intégré à Amazon. Exactement, c'est ça. Non, pour le streaming, okay. On passe encore en direct. Ça marche assez bien. Bon, si on a des plaintes, on voit comment faire. Mais sinon, pour l'instant, ça va.